Salut à toi. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Zurich pour le week-end et le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment peut-on gagner 9 mètres carrés. Parce que là, on a une petite bise et on sera bien content d'être à l'abri ce soir pour le souper. Alors reste avec nous pour voir la suite. Voici les fameuses sardines que je te parlais dans la vidéo du van. Alors ça, c'est l'arme quand il y a des cailloux comme ici, des sardines en alu. Et sinon, tu as dans le kit des sardines plastiques. Et puis, avec le kit, tu as l'embout pour la visseuse. C'est parti. Suivante. Je peux faire moi celle-là? Ouais. Voilà. Je vais. Attention! T'es prêt? Suivante. Facile. Allez, montre-nous une deuxième encore. Et la dernière dans les cailloux. Ouais. Là, tu rigoles déjà. C'est pas facile, hein, dans les cailloux. Bon, attends. Bon, pendant qu'elle essaye. Je vais chercher quand tu as vraiment des difficultés. Voilà. Tiens. Mais ça va pas. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Non, il y a une plaque de béton là. C'est un gros caillou, hein. Ben, tu sais quoi? Je vais te la laisser celle-là. Parce que moi, il n'arrive pas. Voilà.
Ça, c'est fait. Voilà. Tu vois, s'il fallait taper sur les sardines. Ah ben, on n'aurait pas pu. Non, on serait à la 12e sardine. Tu fais la première, je fais les autres. À mon tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chacun son tour. Hein. Maintenant, t'as plus qu'à fermer ça. Bien sûr, j'ai choisi. Là. Tu fais comment pour pouvoir accrocher la tente aux vannes? Alors, si tu regardes juste en haut sur le toit, tu verras cette petite barre ici qu'on a vissée sur le toit. Ah ouais, il est. Alors, il est sale le toit. Hein. Merci, le sable du Sahara. Et puis là, pour faire la réponse entre la tente de 3 mètres par 3 et le véhicule, on a cette petite sangle étanche. Et on vient l'accrocher d'un côté. Et de l'autre côté. Voilà. C'est terminé. Et voilà comment tu as 9 mètres supplémentaires. Salut chérie! Salut! Je pense que c'est vraiment, vraiment l'idéal en cas de mauvais temps. Si tu veux stocker tes affaires pendant que tu vas en rando ou autre, c'est vraiment top. Et surtout d'être à l'abri. Ouais, c'est ça. Parce que tu es abrité du vent, tu es abrité de la pluie. T'as que des avantages. Oui. Mais comme là, je sais pas si tu peux te rendre compte la force de la bise. Donc comme là, on va partir tout à l'heure, mais je pense que cette fois, on va l'attacher. Ça évitera d'aller rechercher notre tente de 9 mètres carrés sur la route d'à côté. Oui. Et là, tu as encore un détail. Hein. Si par exemple, tu as envie de mettre une tente fermée à l'intérieur du haut vent, tu as les petits crochets. Il y en a 4. Là et encore ici. Et puis ça te fait une chambre sur la moitié de la surface du haut vent que tu peux fermer. Et maintenant, on va se préparer pour un petit repas parce qu'il commence à faire faim. Hein? Moi j'ai faim. Allez, donc, arrêtons de discuter.
et allons manger. On sort la table. Maintenant, c'est parti pour une petite rando. C'est trop la classe. Superbe. T'as vu ce petit magasin? Non mais c'est génial. C'est magnifique, hein? Ouais. Tous des produits maison. Ouais. T'as la petite caisse juste là, ah ouais. Alors tu peux payer par Twint. Bon. Bah. On est obligé d'acheter une, ouais, une tresse pour le petit déjeuner. Ouais. Hein? Non, c'est clair. Bon, tu veux laquelle? Celle-là, ça. Je sais pas, il faut que je voie. Allez les poulettes! Hop 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 hop! Tutut! Bon, je crois qu'il faut que tu ailles dehors les aider. Faut que tu ailles enlever les poulettes. Allez les poulettes! Allez, deux! Hop 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 hop! Allez la coquine. Hop. Ah ben voilà, qu'on réalise qu'il ne faut pas effacer n'importe quoi avant d'avoir fini ton projet. Parce que quand tu finis ton projet, que tu crois que tu as toutes les vidéos, des super vidéos, tu sais, du petit déjeuner, du lendemain, qu'on a été visiter un magnifique musée dédié à l'innovation, ouais, avec des superbes images. Ah ben, on les a plus. Notre petit souper sous la... Voilà. Sous le... Dans la tonnelle de 3 mètres par 3. Hein. Ben voilà. Bon, en fait, c'est tout ça pour te dire qu'on est désolé que la vidéo, elle soit tout petit peu plus court. On n'a même pas de bêtisier. Et on espère quand même te donner une petite idée de ce qui est l'agrandissement de l'espace de vie quand tu as un van, surtout avec cette tente qui est rapide, facile à monter, qui prend peu de place en fin de compte. Donc voilà, on avait encore évidemment une vidéo du démontage de la tente, mais qui est hyper facile comme le montage. Donc tu dégonfles tes boudins, tu replies et puis tu la mets dans le sac et t'es reparti déjà. Donc voilà, nous on t'a tout dit, on t'a pas tout montré, hein, parce que, mais on t'a tout dit, on t'a tout dit. Et puis même si elle est un petit peu différente, en espérant que cette vidéo te plaise.
Surtout, n'oublie pas, ce qui nous fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, ça nous touche beaucoup. C'est pour nous le plus important, en fait, le plus gratifiant, que les gens s'abonnent en fin de compte et puis que vous avez du plaisir à regarder nos vidéos, que vous mettez un petit pouce et bien sûr les commentaires. Alors on te dit à tout bientôt. Ciao. Bye.